on reprend là où on était. Et donc notre petite Maze, comme vous voyez, elle commence à avoir un joli petit pactole. Tout ça en étant très sympa. Comme vous pouvez le voir, elle vit en coloc avec Malcolm. Malcolm, oh il est triste Malcolm. Qu'est-ce qui t'arrive Bichette? Oh t'as une de ces tronches. Je t'avais jamais regardé d'aussi près. Ah. Bon, il y a pire. Il y a pire, mais déjà cette couleur de cheveux, c'est pas possible quoi. Et il est tristoun, regardez. Décès dans la famille, père un parent. Ah incroyable. Oh, Bichette peu chère. Disons que la dernière fois, on allait de maison en maison. Et on a un petit peu tué les gens. Pas beaucoup. Nancy, Victor, Lily, Paolo, Jade, Marc, Eva et Geoffrey. Bizarrement, après avoir croisé la route de Maze, ils sont morts. Mais rien ne prouve que c'est elle. Absolument rien. Oh Vladimir est vieux. On va pouvoir le faire canner assez vite. Ouais, on va faire. Ah, je sais qu'Octavia, c'est notre pote. Octavia, elle a du pognon, pognon. Alors, moi, je vous propose qu'on se débarrasse de ce pauvre petit Malcolm. Oh, il est méchant. Il veut crier sur elle. Oh, ça fera une bonne excuse. Parce que elle, pour l'instant, elle s'est dit, t'inquiète, moi, je veux bien être sympa. Pour l'instant, je laisse une marge. En attendant de savoir ce qu'on fait de lui. Il est jeune, quoi. Les vieux, ses parents, ils étaient vieux. C'est-à-dire, ils servaient plus à grand-chose. Mais lui, il est jeune. Mais là, s'il est mauvais et qu'il lui parle mal, Maze, elle va trouver un stratagème hein, pour lui ôter la vie. À votre avis, comment pourrait le tuer celui-là? Et je crois qu'elle va devenir adulte. Ah là là, est-ce qu'on lui ferait pas un petit bébé, mais avec qui? Qui sait qui est assez baisable pour faire un gosse en vrai? Y a pas grand-chose. Hein. Après, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un enfant dans les pattes? Oh, mais qu'il est mauvais! Se faire hurler dessus. Mais ça va, oui. Touche-nez! Oh, petit chaton. Excuse-moi, j'ai tué tes parents. Ok, tu me pardonnes. C'est génial. Vas-y, insulte-le maintenant. Alors, comment on se débarrasse de ce cher petit Malcolm? C'est vrai que ça avait cramé ici. On va pas gâcher notre argent. Hein. 13 000 boules. Je crois que j'avais déjà fait la même remarque la dernière fois. Elle peut pas faire là les trois en bon état pour cuisiner notre ami le nigiri de fougou. Oh, il est excellent! Il faut nous aider ou le manger en étant de mauvaise humeur peut provoquer un léger cas de décès. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle va pas essayer de le pousser à bout. Jamais de la vie. C'est pas fini. Jamais elle ne le tuera, ce pauvre enfant. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Un prout! Ça fait plaisir. Un bon gros prout dans la chetron. On va se battre. Et hop là, une petite bastonnade. Qui c'est qui gagne à votre avis? Allez. Ah, c'est Maze qui a gagné. GG. Supplié de pardonner. Non, tu es... Tu lui offres un paix. Tu verras, il va kiffer. Petite odeur là. Mmh. Un petit relent d'égout. Mmh. Ça l'a fait marrer, hein. T'es nul, Malcolm. Malcolm in the middle. J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. J'ai amené un super cadeau. Youhou, est-ce que je peux rentrer? C'est mon ami Olivia. Regardez, il a faim. Moi j'ai mon ami Olivia, la célébrité qui vient. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est ma voisine. Comment ça, c'est ta voisine? Mais t'habites où, meuf? Tu vas pas me dire que t'habites là? T'es censé habiter la villa de luxe à Del Sol Valley, hein? Je te rappelle que c'est chez toi qu'on va finir et qu'on va venir gagner notre million, hein? Vous savez, maintenant que j'ai terminé... Non mais c'est trop bien, ils viennent offrir un cadeau! C'est trop cute! Ah, on dirait que Malcolm a du mal à manier les baguettes. Un Terminator? Oh, tu es mignonne, ma petite Octavia. Attends, attends, je te kiffe. Je vais te raconter une histoire scandaleuse. Non mais tu crois ou pas? C'est le mec, là, le fils, là, ses parents, ils viennent de claquer... Eh ben tu sais ce qu'il fait? Il me raconte que c'est moi et tout qui les ai tués. Non mais il est fou lui. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce mec là? Il va pas crever. Et crotte! Y'a pas de piscine dans cette maison. Va falloir y remédier quand même, on est à Oasis Springs ou on n'y est pas? Oh, une toute petite piscine là, comme ça. Ouais voilà, tu vois, elle se plaît dans le décor là. Puis bien sûr,
Bien sûr, nous sommes pour la protection de l'enfant. Ça me paraît essentiel, protéger les enfants. On prévoit la petite barrière, hein. Un petit peu cher la barrière, la vache. Malcolm est un grand enfant, savoir. Va te baigner sans aucun vêtement, va. Comme ça, t'auras encore plus la honte, mon petit. Ça va être beau. Viens ici. Et toi aussi. Ça, tu vas le surprendre nu et ça va pas lui plaire. Alors ? Regarde-le. Regarde-le. Enlacé. Non mais... Complimenter la tenue. Regarde, il est nu. LOL. MDR, complimente-le sur son sgagalaire, peut-être, non ? Ça te fait rien. Ah bah voilà. Insulté. C'est beau, tiens. Ah non, bah, tranquille, il a walpé. Ça y est ? T'as remarqué qu'il était à poil ? Mais non, t'as fallu du temps, bichette. Hein. Oh non, mais ça vieillit ! Oh, biche ! Bon, ça va, t'es toujours sympa. Pourquoi je le fais dormir, en fait ? J'aurais dû le foutre dans la pistouche. Il est en kiff à se balader à poil partout, lui. Hein. Il sent enfin libre, il se dit, hey, mes parents sont morts. Je ne vis plus sous... Ah bah voilà ! Petit embarras, là. Bien. Oh, mourir d'embarras ! Appelle-la. Appelle-le. Appelle-le. Appelle-la. Appelle-le. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est pas vrai. Je suis pas en train d'établir un plan machiavélique. Ça suffit de croire que je suis mauvaise comme ça. Non, mais moi je suis simple, je suis une personne entière qui est adorable en plus, je peux vous dire, parce que les gens m'adorent. Ils m'aiment tellement que peuvent se passer de moi. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Sonia ? Va peut-être falloir faire une mise à jour sur la tenue des PNJ, hein. Ça veut refaire à toute leur tronche, mais par contre, leur mettre un look pas trop dégueulasse, ça c'est pas possible. Alors, mon cher Malcolm, peut-être que si tu fais pipi et que si toute la Smala vienne ici, tu vas te sentir un peu con. Mais ils ont mis trop de temps à débarquer, c'est trop nul. Venez tous là. Ah, va te laver. Allez, sors. Ah, salut, Nelly, Mélé, Nelly. Je sais plus. Ouais, il va prendre son bain. Et le bain, c'est long. Allez. Nooch. Nooch! Oh my god! Ah, trop drôle. Et salut, ça va, Vladdy? Oh, salut, Sonia. Oh. Comment vous allez tous? Oh, omelette du fromage. Oh. La mort de honte, c'est compliqué, non? Il y a quoi aussi? Il y a la drague. Tu vas les draguer. Non, il y a des trucs qui marchent à chaque fois pour la honte. Il est pas ton... Il est juste à plus 1, hein, malgré que j'ai en ramené un cortège dans la salle de bain. Allez, va manger avant que tu crèves de faim, ma biquette. Toi, non, par contre, tu vas pas manger. T'as pas le droit. Je pourrais faire une présentation à Sonia ou à lui, hein, pour draguer après, quoi. Ah, mais il est triste, ça marche pas. C'est chien. Bah, tu vas faire un compliment déprimant. Il est pas content, Vladimir. Ah ! Rencontre embarrassante. Il est embarrassé, qu'est-ce qu'il a ? Frais et fringant. Tente une interaction romantique dans un environnement propre. Non, mais ça va pas bien. Et si tu dragues Vladislav Damir, est-ce qu'il va être content ? Il y a le pipi dessus. Ah merde, je l'ai déjà fait pisser. Ouais, bois de l'eau, j'avoue, viens y boire de l'eau. Oh ! Ah, vas-y, ça marche. Voilà, allez, bois de l'eau. Oui, le pipi au lit. Il va se pisser dessus, le collagène qui colle. Ouais. Ouais, le pipi, tu vas pisser dessus. Et voilà, c'est très bien. On va enfin te tuer. Oh, Soso. Embarrassé plus 5. Embarrassé plus 1. Du-du-du-du-du-du-du. Boum. Maintenant qu'il s'est pissé dessus, est-ce qu'il doit quand même se laver pour... Oui, pour que... Alors, vision impossible, s'est fait pipi dessus. J'ai envie de dire oui. Prends un bain et on va refaire venir toute la cargaison de gens dans sa salle de bain. C'est que ça sert à rien, en fait, d'en ramener autant. Juste une personne pourrait souffrir, mais ça me fait trop rire, en fait. De me dire qu'il y a 10 personnes qui vont le voir à poil dans son bain, ça me fait marrer. J'ai même pas besoin de le faire. C'est elle que je vais tuer à force, tu sais. Il a 3.
Vas-y, faudrait qu'il drague Vladimir. Oui. On est mortifié. Il est mortiflex. Oh, drague-le. Allez, ça suffit maintenant. Il faut mourir. Il faut mourir tous ensemble. La 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 la. Non. Et ça va s'en aller. Violation de vie privée, y'a personne qui va pisser là. Que si je la fais elle, pareil, elle va pas être bien non plus quoi. En plus elle a trop chaud, elle va clamser, je le sens. Elle est meurt. C'est au bout de combien de temps qu'il meurt mortifié? Tu sais quoi, tu vas aller boire de l'eau hein. Alors, je pense que tu vas boire beaucoup d'eau mon ami. Oh, il y retourne cet idiot. Ça marche pas à mortifier hein. Allez, faut vous tenir prêt. Va prendre un bain. Ouais, t'inquiète. On est tous là. Va prendre un bain. On n'est pas là, t'inquiète pas. Tout va bien. Rassemblement. Viens ici, toi. Trop tard. Ah bah c'est trop tard, elle l'a eu aussi. Non, parce qu'il faudrait pas que je la tue, elle, à la place, tu vois. Ça y est. Ah, il s'accroche, hein. Une petite drague à Vladimir. Normalement, quand il est mortifié, il lui faut très peu pour clamser. Et merde, ça s'est joué à 3 secondes et demie. Elle a pas eu le temps de le faire. Mais sérieux? Je vais la tuer, elle, avec ses conneries, hein. Voilà. Ok. Et toi, tu vas te repisser dessus, mon petit. Tu vas reboire de l'eau. C'est le but de que tu te pisses dessus, mon petit, encore. Oui. Là, c'est bon, hein. On a les 4, hein. Oh non, mais sérieux. T'as raison. Vas-y. Allez, vas-y. Je sais pas, moi, à force que vous voyez à poil l'un l'autre... Et non, il a reperdu! C'est pas vrai! Intimité en veille, 3h, 4h, 2h. C'était le compliment, il faut rappeler Vladimir, il est 22h22. Oh là 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 là. Parce qu'avec Vladimir, ça marche parfaitement. Il le drague, et ça marche nickel. Au pire, je le fais pas bouffer, histoire qu'il meure de faim. Hein. Ah, vous êtes beau, Vladimir. Mais à chaque fois, t'en as un qui s'en va, c'est un truc de fou! Bah elle voit pas. Tu peux pas essayer de te moquer de lui avec Maze? Ah si, sûrement. C'est moquer de la tenue. Yes! Ça c'est bon ça, intimité envahie machin. Il faut juste que maintenant il la surprenne en train de pissailler. Donc toi tu vas pissailler et tu vas la voir là. Mais purée, c'est pas possible là. Bah oui, mais là, elle a fini. Oh, j'en ai marre, hein. Et là, franchement, ça commence à bien faire. Le temps qu'on va tout faire ça, ça va pas marcher, hein. Et lui, il y va avant elle, bien sûr. Bah oui, c'est normal. Et voilà, et re très embarrassé. Ça m'énerve. Oh. Allez. Oh là là. Ok, c'est bon. 3h, 2h, 34 minutes. Allez, tu vas pas te laver les mains. Tu vas aller boire de l'eau. On va recommencer. Ah, il y a Vladimir aussi. Tu vas essayer de le draguer sur la route. Tu vas lui envoyer un baiser. Tu vas prendre de l'eau. Hé hey. Vladimir, il me sert bien. J'en peux plus. Mais il y a toujours un truc qui va pas. Hein. C'est un truc de fou, en fait. Vladimir, il en peut plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ici, on m'invite et puis il y a un type. Il arrête pas de me draguer. Mais c'est quoi ce mec? Nooch! Attends avant d'aller pisser. Ça marche pas! Oh bordel à cul, hein! J'en ai marre! Y'a rien qui marche, putain! Dès que t'en arrives à en avoir un, t'arrives pas à avoir l'autre. Et attends, c'est bon, je l'ai eu le mortiflax, hein! Bizarrement, ça marche pas, hein! Voilà, allez, c'est bon. Et toi, tu vas aller te moquer. On peut pas se moquer de lui.
de sa petite vie. Non, non. Ah, il le veut son héritage, ce type, hein. Il manque le compliment et la drague. Vas-y. Sauf que comme elle vit avec lui, je pense qu'il va être elle va être d'accord, limite. Donc, c'est moqué de la tenue. Ah non, c'est bon. Allez. Oui. On est à 4. On est à 5. On est à 5. On est à 5. Vision impossible, oubliée, embarrassée, plus 1. Risée vestimentaire, embarrassée, plus 1. Intimité envahie, embarrassée, plus 1. Nous sommes à plus 3. Embarrassée, plus 2. Ça fait 5 plus 10. Elle va me claquer dans les pattes aussi. Avec tout ça, il veut pas crever. Et non. La pauvre. Va dormir là aussi. Au soleil. Ça marche pas. Hein. Oh le con. Je me tue pour le faire. Pour le faire tuer. Mortifié d'embarrassement. Le pauvre gland, il se noie. L'essentiel, c'est qu'il a mouru. J'ai bien fait que de faire en sorte qu'il ne mange pas et qu'il ne dorme pas. Parce que je me dis, soit il mourra de faim, soit il mourra noyé. Mais je voulais le tuer d'embarras. L'essentiel, c'est qu'il meure, les enfants. L'essentiel, c'est que Maze va enfin s'en débarrasser et qu'elle pourra changer de maison. Elle va aller chez les gothiques, je pense. Hein, ça va être sympa, les gothiques. Oh, c'est une mort si jeune. Adieu, Malcolm. Personne ne t'aimait. Même pas tes parents. Salut, la faucheuse. À bientôt. Hein? Alors, on n'a rien à récupérer. Oh. Bien sûr qu'on va passer du temps avec elle. Oh, Octavia, ma chérie. Comme tu es belle, tu es magnifique. C'était enlacé amoureusement. Et elle a envie de se taper Octavia. Je pense que là, il n'y a pas photo. Par contre, lui, il va falloir qu'on le tue aussi. Hein. Bon, je sais pas. Vu qu'on voit qu'elle habite là, on pourrait les noyer d'ailleurs, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pas ici qu'il y avait un coffre, non? Je suis sûre qu'elle est pas si chère que ça, cette maison. Il y a leur fils aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder la télé sur l'écran géant. Même pas, elle est triste, hein. Ah, elle est débarrassée. Oh, c'est trop bien, il est enfin claqué. Et j'ai un alibi en béton armé. Eh, sympa cette télé. Je m'y ferais bien vivre là. Ouais, mais pour l'instant, ma petite, tu vas aller voir les gothiques, je pense. Tu vas envoyer un petit SMS de bonheur à Vladi. Bon, elle connaît bien Sonia. Hein. Sonia, c'est un peu sa pote, hein. C'est vrai que la kleptomanie nous guette. Qu'est-ce qu'on peut voler, ça? Yes. C'est vrai, pas moi. C'est pas nous. Elle n'a rien fait, Maïse. C'est pas vrai. Elle a pas volé un truc. Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Essaye d'être un peu plus gentille et ne pas être appréciée, c'est être sur une pente glissante. Mais nous, on aime bien quand ça glisse. Qu'est-ce quoi? Ah, c'est lui. T'essayes de devenir acteur, mon petit? C'est leur fils, hein. Pour sûr que ça marche, moi. Et le petit tape des pouces, là. Tiens, elle le fait, en plus, cette gogole. Elle est trop con. Bon, allez, on va rentrer chez nous. Parce qu'il faut rentrer chez nous. On doit se débarrasser un petit peu. On va faire le tri dans la maison. Je vais lui faire un peu de sport, là. Elle est en forme, là. Elle se sent plus forte que jamais. Pour aller niquer des mères. Et pour aller voyez, les gothiques sont les prochains sur la liste. On était chez les Plenosas, soit bizarrement ils sont tous mordus. Bon, ça sert à rien de garder cette baraque, hein. Ça va, 625 000. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à d'autres foyers. Donc là, on va se rendre chez les gothiques parce que c'est nos potes. Et on va leur demander l'abri, parce que tu vois, là, on est déprimés.